Alors voilà, nous arrivons dans la forêt de Brocéliande, la forêt mythique de tous les mythes arthuriens. Donc on a trouvé un camping qui soit dans la forêt, enfin pas loin de la forêt. Et ben, nous allons aller visiter tous les points remarquables. Il y en a qui seront un petit peu loin, il faudra qu'on sorte la moto certainement. Et puis voilà. Alors donc pour ceux qui ne le savent pas, la forêt de Brocéliande, donc la forêt des mythes arthuriens, se trouve à Paimpont qui se trouve à côté de Rennes exactement, c'est en Bretagne. Ça s'écrit P-A-I-M-P-O-N-T. Et puis voilà quoi. Donc ici on va aller voir la tombe de Merlin, on va aller voir deux trois choses. Et le Val sans retour, enfin des. Alors c'est marrant parce qu'on vient de passer à Paimpont et vous avez les rues, vous avez rue Merlin l'Enchanteur, rue Lancelot du Lac, enfin bon, tous les personnages de la légende. Eh bien, comme promis, nous sommes en forêt de Brocéliande, la fameuse forêt mythique. Alors on va voir si on rencontre des corridans. Pour l'instant, on va aller déjà en premier voir le tombeau de Merlin. Donc le fameux Merlin l'Enchanteur, donc il aurait son topeau dans le coin, il y a la fontaine de Jouvence aussi, on va essayer de trouver ça, et puis vous faire voir aussi à vous. Et bien nous voici arrivés au tombeau de Merlin. Alors d'après la légende, c'est Viviane qui l'aurait enserré, donc qui l'aurait fait fusionner avec la pierre. C'est pas un tombeau à proprement dit, il ferait partie intégrante de la pierre, de la forêt. Alors à l'origine c'était un alignement mégalithique. Mais en 1890, il y a des crétins qui ont fait exploser tout ça parce qu'ils cherchaient un trésor là-dessous. Résultat, il ne reste plus que ces deux-là alors qu'il y avait une dizaine de mégalithes alignés. C'est un peu dommage quand même. Hein. La bêtise humaine, c'est sans limite. En tout cas, il y en a qui ont mis des petites fleurs pour Merlin. Sympa. Des dons. Ah, c'était il y a 3 jours. Ils sont passés par là, ceux-là. Bon ben voilà. Alors Martine a décidé de mettre des fleurs sur le tombeau de Merlin, puis de faire un vœu encore. Si les cairns ça n'a pas suffi, moi, là peut-être. Tu sais qu'il y a toujours un fond de vérité dans toutes les légendes, donc ça se trouve peut-être vrai. Alors maintenant, après la fontaine, on cherche la fontaine de Jouvence. D'après la légende, ici, il n'y avait jamais de femme qui avait plus de 35 ans d'aspect comme ça. Et il paraît qu'elle trouvait toute leur éternelle jeunesse dans cette fontaine. Alors il y avait Viviane, qui était la Viviane la fée, donc, qui était la maîtresse de Merlin. Celle qui l'a enserrée dans les rochers que vous avez vus tout à l'heure, qui allait préserver sa jeunesse. Alors on va essayer de trouver ça. Alors là on est à la fameuse fontaine de Jouvence. L'eau qui, paraît-il, faut la boire et se baigner dedans pour rester éternellement jeune. Alors, vu la couleur de l'eau, vu la gueule de l'eau, non seulement j'irai pas y mettre mes fesses, mais en plus je risque pas de la boire. Oui, ça doit faire un moment qu'il a pas plu, alors c'est affreux. Voilà, voilà, c'est bien décevant la fontaine de Jouvence. Mais enfin, le cadre est magnifique, hein, par contre. Qu'est-ce qu'on est bien là? C'est chouette cette forêt. Elle est là, juste derrière les arbres là. Et là, j'ai vu une petite pancarte qui avait marqué la carrière à Cairn.
C'est un truc incroyable, c'est que il y a des dizaines, des centaines de cairns. Des tas d'inconnus qui ont fait ça. Regardez-moi ça, partout. C'est trop marrant. Je sais pas, faut peut-être faire un vœu en faisant un cairn. On va voir, peut-être que Merlin nous entendra. À moins que ce soit des corrigans qui les fassent, les petits cairns. Hein, bébé? Ça se trouve, c'est les corrigans qui font les cairns la nuit. Alors pour ceux qui ne savent pas, les corrigans, c'est les petits lutins des forêts bretonnes. Il paraît qu'il y en a plein ici. Bien, nous sommes ici à Pimpon, la commune dont dépend Brocéliande. Et comme vous pouvez voir ici, les rues, elles ont des noms qui nous plaisent beaucoup. Ça, c'est l'Anseau du Lac, il y a la rue Merlin, il y a la rue des Chevaliers de la Table Ronde. Enfin, c'est tout autour des mythes arthuriens. C'est génial, j'adore. Alors là, je vous y emmène tout seul. C'est comme il pleut. Martine n'avait pas envie d'être mouillée. Donc je vais au Val sans retour. Alors c'est un endroit que la fée Morgane avait un peu maudit. Les gens qui y entraient, ils ne pouvaient plus en sortir. Jusqu'au jour où Lancelot est venu la combattre. Il a réussi à l'obliger à libérer tous les prisonniers. Donc maintenant, voilà, on peut sortir du Val sans retour. Et on va y aller. Mais ça grimpe, hein. Bon, oui, bien là, je suis vraiment au cœur de la forêt. Il n'y a personne, je suis tout seul. Il fait gris, il pleut pas trop. Enfin bref, un vrai temps breton. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau ici? Ah, il y a des chasseurs au loin, on dirait. Alors là, on va aller en direction du siège de Merlin et des rochers des faux amants, qui doit se trouver à l'entrée du Val sans retour. On va aller voir ça. Alors là, on arrive au siège de Merlin. C'est une excavation dans le rocher qui permet de s'asseoir. Ah, là, voilà. C'est ici. Donc ça, c'est le siège de Merlin. Je suppose qu'il devait mettre ses petites fesses magiques ici, n'est-ce pas? Il devait pouvoir voir l'entrée du Val. Alors attendez, je vais essayer, des fois que je puisse choper un peu du pouvoir du célèbre enchanteur. Alors je m'installe. Ah, effectivement, ça fait un peu comme une espèce de trône où on voit toute la région. C'est très confortable, c'est un peu dur quand même. Mais je me sens pas devenir magique pour autant. Donc il a posé ses illustres fesses ici. Et moi à mon tour maintenant. Mais bon, ça ne fait pas grand chose. Hein. Donc on va aller voir le Val sans retour, le rocher des deux amants qui est un peu plus loin. Et puis on finira peut-être par l'arbre d'or, on verra. Ah, au fait, vous savez, ici c'est le café de. Il y a des fées partout. Est-ce que vous connaissez la gentille fée qui fait plaisir aux enfants? Hein, c'est la fée Mélusine, elle est bien connue celle-là. La méchante qui fait peur aux enfants, c'est la fée Carabosse. Et la gentille fée qui fait plaisir aux mamans, c'est la fée du logis. Ouais, je sais, elle est facile celle-là. Et celle qui fait plaisir au papa, réfléchissez un peu. Eh bien, c'est la fée Lation. Voilà, j'ai sorti ma connerie du jour. C'est parti. Et bien là, nous arrivons à l'entrée du Val sans retour. Et ce que vous voyez devant, là, c'est le rocher des faux amants. Alors, je vous raconte l'histoire, c'est que Morgane, la sœur du roi Arthur, elle a été formée à la magie par Merlin. Donc c'était une fée, c'était une magicienne. Et elle avait l'habitude de retrouver son amant, un chevalier. Je ne me rappelle plus de son nom. Elle avait l'habitude de le retrouver ici, enfin ici dans ce secteur. Et un jour,
elle l'a surpris dans les bras d'une pintade locale. Hein, et ça l'a un peu énervé. Alors elle les a transformés en rochers. Et donc depuis, tous les deux, ils sont là, son beau chevalier et sa maîtresse. Mais c'était des faux amants parce qu'en fait, c'était l'amant de Morgane. Enfin, là, je voulais admettre. Donc elle s'est fait avoir. Et ça, c'est l'entrée du Val sans retour. Et à la suite de ça, donc, elle a condamné le Val, la vallée, sans retour, de façon à ce que personne, tous ceux qui rentrent là, ne puissent pas en sortir. Et donc c'est Lancelot, plus tard, qui a brisé le sortilège et qui a libéré 253 chevaliers qui étaient rentrés dans la vallée. Il n'est pas fort, ce Lancelot. Quand elle les a transformés en rochers, ils devaient être dans les bras l'un de l'autre, hein, parce qu'ils sont bien soudés, hein, les deux amants. Regardez comme la vallée est belle ici. Magnifique, hein. On est dans la Bretagne profonde ici. C'est superbe. Puis le temps est très breton aussi. Alors maintenant, je descends dans le Val sans retour. Alors si vous n'avez pas de nouvelles de moi avant quelques heures, vous appelez Lancelot, parce que lui pourra me sortir de là. Ah ouais, ça descend pas mal quand même. C'est plein de cailloux. Bon, quand même, cette Morgane, elle avait enfermé 253 chevaliers là-dedans. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils sont venus foutre ici, les chevaliers aussi, hein? C'est un trou paumé au milieu de brosse et liande, il n'y a rien. Pour une auberge, pas un estaminet, rien. Ça va être facile, hein, la vie à l'époque. Je ne sais pas si cet endroit est magique, mais en tout cas, il est magnifique. C'est joli comme tout ici. Oh, elle est belle, cette forêt. Rien que pour la balade. Bon, les mythes arthuriens, c'est bien, ça. Ça fait un but. Mais franchement, rien que se promener, elle est superbe, cette forêt. C'est un vrai bonheur. Ah, imaginez que je rencontre la fée Morgane. Bon, je serais sympa avec elle quand même, hein, parce que c'était la gonzesse qu'il fallait pas énerver, ça, hein, apparemment. Waouh. En tout cas, c'est pas facile à marcher là-dedans. Hein. Alors ici, c'est le lac du miroir aux fées. Alors, il y aurait 7 fées qui habiteraient ici. Ce sont des sœurs. Elles ont l'habitude de se regarder dans le lac qui fait un peu miroir. Ah, c'est bien joli comme endroit. Et voyez le Val sans retour là, c'est juste derrière l'arbre en face de vous là. Je viens de descendre ce truc là, c'était pas simple. Hein. Alors petite leçon, un peu pas d'histoire mais presque. La forêt de Brocéliande maintenant, c'est la forêt autour de la petite ville de Paimpont. Mais auparavant, elle couvrait toute la région. Elle allait de Saint-Malo à Nantes en passant par ici, par Rennes, enfin c'était gigantesque à l'époque du soi-disant roi Arthur. Donc il reste une petite partie seulement, c'est tout ce qui est autour de Paimpont. Mais attention! Alors pourquoi c'est l'esprit chevaleresque? Parce que si la nature a donné plus de force à l'homme,